Salut tout le monde, c'est Nasactu et là on va regarder une story de Bassem et après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, wallahi l'adim, j'ai pas envie de faire le démago, j'ai pas envie de faire le pélo qui veut donner, Zama déjà, qui je suis moi pour que je donne la parole à des gens. On n'est pas là pour faire les susceptibles, mais j'ai envie de parler d'un vrai truc avec vous. Inch'Allah, on préparera une émission comme je ne l'ai jamais préparée sur les ceux qui vivent avec des enfants handicapés. Après, ça dépend de l'handicap, bien évidemment, c'est un sujet très vaste. Mais avec un enfant handicapé, que ce soit psychologiquement, moteur, j'ai envie de parler qu'est-ce que ça fait de vivre au quotidien. Qu'est-ce que c'est de vivre au quotidien? Mesdames et messieurs, alhamdoulilah, même si la plupart, 99% des personnes concernées, ils vont me dire c'est une baraka, c'est une bénédiction. Par Allah, j'ai envie de parler très sérieusement avec vous. Et aujourd'hui, si ça avait été d'autres personnes, je t'aurais dit, ouais, je sais que vous allez commencer à me faire de la démagogie. Ouais, Kouchi Bil Mektoub, de toute façon un enfant handicapé, tu l'as, tu le gardes, bien sûr. Alhamdoulilah, c'est nos parents qui nous ont appris ça. Nos parents avant, il n'y avait pas de moyen de détection à la naissance ou même post-prénaissance qu'on peut avoir maintenant. Et aujourd'hui encore, il y en a, ils ont des enfants, ils accouchent et ils s'aperçoivent que leur enfant il est handicapé. Alhamdoulilah, tous ces gens-là, c'est des ultra-modèles. Et c'est des gens que Dieu les aide au quotidien. Nous, à côté de ces gens-là, on est des vrais cafards. Même si on ne l'a pas choisi. Même si eux-mêmes aussi ne l'ont pas choisi. Mais moi, j'ai envie de faire un débat sur un autre aspect. Et sur un aspect important. Pas plus important que cet handicap-là, mais bon. Ah ouais, pour plein de choses. Wallahi l'adim, les gens. Je sais qu'en disant ça, je vais prendre un risque. Je sais qu'en disant ça, ça va être coupé, ça va être repris. Je sais qu'en disant ça, ça va, comment te dire, conforter les fils de pute qui pensent que je suis un gros fils de pute. Les démagos. Moi, est-ce que si j'avais détecté par le moyen médical, moi et ma femme, un exemple, on attend un enfant, on nous dit votre enfant il va être handicapé lourd. Est-ce que j'aurais eu les couilles de le garder? Qu'Allah me pardonne. Moi je suis très sincère. J'admire les parents qui le font. Parce que moi je me dis, est-ce que je l'aurais fait? Pourquoi je me pose la question? Parce que, et c'est là où il faut débattre sur ça. Beaucoup de parents, énormément de parents, l'handicap de leur enfant, pensez pas qu'il a ressoudé une famille, bien au contraire. On sait tous, mais ça c'est un secret de Polichinelle, on le sait tous, il y a tous des gens qui nous entourent, qui ont eu des enfants handicapés, et qui du jour au lendemain, ils se sont séparés et ils ne sont plus ensemble. Vous allez me dire, mais Bassem, rien à voir avec tel, rien à voir avec tel. Moi, j'ai parlé à des gens qui ont des enfants handicapés et qu'ils avaient à Rayyahamum. Et oui, ils m'ont dit, dans des moments de faiblesse, parce qu'on reste humain, on se dit dans notre tête, et si j'avais pas accepté? Et si j'avais fait en sorte de ne pas l'avoir? C'est terrible à entendre. Wallahi, c'est terrible. C'est humain. Mais alhamdoulilah, avec tous les défauts qu'on a, on a une foi envers l'islam, bah ça dépend des gens. Que ça soit envers le christianisme, le judaïsme, quand tu as une religion, quand tu as des valeurs et des principes, et bah tu souffres avec et tu le gardes. Et alhamdoulilah, dans toute ma vie, j'ai toujours croisé des gens qui ont gardé leur enfant handicapé, même s'ils savaient qu'il allait être handicapé. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que pour vous, ça ne joue pas automatiquement sur le couple? Vous allez me dire, mais tant mieux, c'est dans la difficulté qu'on voit qui est qui. Mais
Pensez-vous pas qu'il y a certaines personnes lâches, que ce soit hommes ou femmes, qui ont abandonné leur couple parce que c'était trop de charge pour eux? Et parce que dans le couple, plus n'est ou ne sera comme avant. Eh oui, doit-on en vouloir à certains couples? Ils ont témoigné. Que ce soit, ils m'ont envoyé ce genre de message-là, c'est pour ça que je fais ça. À l'origine, cette vidéo vient de ce message-là. Moi, j'ai reçu un message où une femme, elle m'a dit, moi, avec mon mari, on s'était mis d'accord, on savait qu'on allait avoir un enfant handicapé, lourdement handicapé, on a décidé d'arrêter le processus. Ouais, Starfallah, c'est Allah qui décide de tout. Quand on vous dit, elles ont arrêté le processus, c'est pas une chose que j'aurais fait moi, mais ce que je veux te dire, à aucun moment on cherche des circonstances atténuantes. Quand on vous dit chercher, arrêter le processus, c'est pas décidé à la place de Dieu. Non, c'est le processus médical. Vous savez ce que je veux dire. En gros, non, on veut pas de ce bébé. On veut pas de ce bébé-là. Attention, c'est très très délicat comme sujet. C'est très très délicat et c'est très hypocrite parce qu'il y a beaucoup de gens qui te le diront jamais parce que c'est une honte pour eux. C'est une honte pour eux d'avoir stoppé la grossesse d'un enfant handicapé. Mais il y en a plus que vous le croyez. Et ces gens-là, vous me direz, pensent à leur confort personnel. Leur confort personnel, il est que ils savent très bien qu'en ayant un enfant handicapé, toute leur vie va changer. Et toute leur vie va tourner autour de l'enfant. Il y a des parents qui sont prêts, qui sont pas prêts pour ça. Qu'est-ce que vous... Handicapé ou pas, de toute manière, toute la vie, elle tourne autour des enfants, qu'ils soient handicapés ou pas, de toute manière. Il y a une petite charge de travail en plus pour les enfants handicapés, oui. Ils sont pas prêts pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des parents qui sont prêts à faire des enfants, mais quand il faut assumer parce qu'ils sont handicapés, là, ils savent plus les faire. Et ça, par Allah, c'est un vrai sujet très tabou. Plus tabou que le cul, mesdames et messieurs. Bien sûr. Après, attention, à aucun moment je critique ces personnes-là. Là, mesdames et messieurs, pour une fois, on n'est pas dans la critique. On est dans le constat. Parce que tous ceux qui vont venir, ceux qui ne sont pas concernés, mais moi, t'es malade, la tête de ma mère, je le garde à la vie, à la mort, t'es malade, au contraire, ça va nous souder dans le couple, au contraire, ça va... Il y a des mecs à qui ça a pris la tête parce qu'ils ne pouvaient plus passer un moment d'intimité avec leur femme, ainsi de suite. Ceux-là, c'est des sous-hommes, je suis d'accord avec vous. Wallah, la vie m'a 1000%. Un homme, il doit assumer du début jusqu'à la fin, je suis d'accord avec vous sur ça. Il n'y a même pas de débat à avoir dessus. C'est clair comme de l'eau de roche, bien sûr. Moi, je me pose la question moi-même. Mais moi, je sais que... Au pied du mur, Wallahi l'adim, je garde. Je prends sur moi et Wallahi l'adim, je garde. Mais doit-on en vouloir à des gens qui se disent je vais pas pouvoir l'assumer, je vais pas pouvoir faire ci, donc je le veux pas. Je le veux pas. Alors ma question elle est que quel est le plus enculé? On va prendre l'exemple des hommes parce qu'il faut dire la vérité. Enfants handicapés, ils restent avec leur mère. Quel est le plus enculé des hommes entre celui qui dit tu stoppes la grossesse parce que je vais pas pouvoir assumer, ou celui qui te dit ah mais t'es malade, c'est mon sang, c'est mon cœur. Dès que l'enfant est né, il s'en occupe pas et au lieu de rester au chevet de son enfant avec sa femme, il va la tromper avec des crasseuses à droite et à gauche. C'est une vraie question. Il la trompe et après il l'esquive. Il l'arrête et après il se barre. Mesdames et messieurs, on va faire un vrai débat dessus. Je vous propose de le faire dimanche, Inch'Allah. Les personnes qui ont des enfants handicapés, qui veulent nous expliquer le quotidien avec un enfant handicapé, marahba bikoum, vous êtes le bienvenu. C'est grâce à vous qu'on va apprendre énormément de choses. Comme ceux qui, si demain, se retrouvent face à une situation comme ça, feront partie de ces gens qui diront « Moi, je ne peux pas assumer un enfant handicapé. » C'est grave. Le poids des mots est terrible quand on dit cette phrase-là. Mais les frères, les sœurs, vivons pas dans le déni.
Parce que ça s'appelle vivre dans le déni le plus complet. Donc on n'est pas là pour juger. Donc celui qui dit moi je peux pas assumer, ou celle qui dit moi je pourrais pas assumer, qu'elle vienne nous voir et qu'elle nous parle de ça. Dans l'anonymat le plus complet. Ça existe. Il y a bien des femmes qui refusent allaiter leur enfant volontairement. Je ne te parle pas celle médicalement, volontairement, pour pas abîmer leur poitrine. Alors imagine-toi. Il y a bien des hommes et des femmes qui, pour leur tranquillité, pourront te dire oh non, moi je préfère arrêter tout ça. Venez débattre, venez nous en parler. Demain, dimanche, Super Radio Hlib, Inch'Allah, le super dimanche, comme d'habitude, 3 heures d'émission. On va essayer de la préparer à la bien. Ceux qui ont des numéros, qui veulent parler de ça avec nous, vous nous le dites. On parlera dans le respect, dans la transparence la plus totale, mesdames et messieurs. Parce que Wallah al-Azim, c'est un sujet de société pour de vrai. Salam alaikum, les gens. Je tenais à réagir là-dessus parce que bon, je connais pas mal d'enfants handicapés, tout ça, dans la famille, tout ça, et autour. Mais souvent, les gens qui n'ont pas d'enfants handicapés pensent que c'est une horreur d'avoir des enfants handicapés. C'est pas forcément toujours le cas, ça a une charge de travail en plus. Mais moi-même, le premier, quand j'imaginais ça, je trouvais ça, c'était dur. Oui, c'est dur, mais c'est les gens, ils vivent avec. Puis, t'as d'autres formes de handicap qui se déclarent pas à la naissance, qui se déclarent que bien plus tard. Par exemple, pour les maladies psychiatriques, ça se déclare souvent à l'adolescence, souvent avec des abus de stupéfiants, et ça devient un enfer encore pire pour les parents. Ça devient un enfer encore pire que celui d'un enfant handicapé physique, on va dire. Parce que les parents, ils vont à l'hôpital, ils s'inquiétaient pour lui, pour sa santé physique, morale, tout ça. T'as aussi, il y a un cousin à mes cousins. C'est pas mes cousins à moi directement, c'est les cousins à mes cousins. Voilà, du côté de leur père, à Nice, qui a eu la maladie de Pierre. Par exemple, cette maladie de Pierre, ou maladie de Charcot, il me semble, maladie de Pierre, elle se déclare pas à la naissance, elle n'est pas visible à la naissance. C'est plus les années passent, plus il a des parties de son corps qui sont paralysées et qui ne peut plus bouger. Et pourtant, je l'ai vu plusieurs fois et toujours en train de rigoler avec mes cousins, avec les cousins, tout ça. Avec ses frères, tout ça, toujours de bonne humeur, tout ça. Donc c'était même un plaisir de passer un moment avec lui, carrément. C'était un plaisir. On oubliait sa souffrance, justement, le temps d'un moment, ben, on n'essayait de pas penser à sa souffrance, et on rigolait, on discutait. Pareil pour le cousin à ma mère, Ali, à Casablanca. Donc chez les cousins à ma mère, des fois je passais des semaines de vacances là-bas chez les cousins à ma mère à Casa. Et Ali, ce qu'il avait, c'est un handicap physique. Il était bossu et il ne sentait plus les parties inférieures de... Il sentait plus ses jambes. Il pouvait bouger que les bras et la tête. Il pouvait bouger que les bras et la tête et il avait une bosse. Mais il avait un joli visage et son visage, on ne dirait pas que c'est un handicapé. Ali, il est toujours souriant, toujours en train de rigoler, tout ça. C'était même un plaisir de passer du temps avec lui, à discuter, à rigoler. On oublie le handicap, tout ça. Avec tous ses frères et sœurs, ils vivent très bien. Bon, ils ont combien de pièces ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pièces à Casa. Tous les frères, les sœurs, il y avait toujours l'ambiance. Tout ça au salon ou à la salle de TV en haut, il y a la salle de TV. Donc toujours Ali par-ci, Ali par-là, c'était le chouchou de la famille, on va dire. C'était le chouchou de la famille, ça. C'est pour quelqu'un d'extérieur, ça peut être dramatique, ça peut ressembler à quelque chose de dramatique, mais quand tu vis avec eux,
C'est totalement vivable. Après, ça demandera une charge de travail de plus à la mère pour le doucher, tout ça, alors que un enfant au même âge, il se douche tout seul. Ça fait un peu plus de travail à la mère. Mais ce que je vois, c'est que c'est totalement vivable, surtout dans les systèmes où ils sont plusieurs frères et sœurs, tout ça. Chacun, ils ont trouvé un travail. Ben, Alice était le plus intelligent de ses frères et sœurs. Point de vue étude. Point de vue étude, parce que finalement, il a fait ses diplômes, tout ça, un travail intellectuel, tout ça. Alors, tous les autres, ils avaient des travails physiques. Un est policier, l'autre, il est vendeur, l'autre, il est. Et lui, c'est le seul qui a fait des études, qui a poussé parce qu'il voulait aider sa famille, il voulait un bon avenir et il a pensé aux études, à travailler sur le papier. Donc il y a ces deux exemples, les cousins à mes cousins et le cousin à ma mère. Voilà, c'est le cousin à ma mère, c'est on va dire cousin du deuxième degré, il me semble. Je ne sais pas comment on appelle ça, cousin germain. J'ai des cousins même du troisième, quatrième, cinquième, c'est dixième degré, gars. Mais ces deux cas-là m'ont montré que chaque fois que j'étais avec eux, ben, je me sentais bien, je rigolais. Au fond de moi, des fois, quand j'étais plus petit, je disais, ah, ça doit être dur pour lui, je demandais pourquoi il a eu ça, tout ça, tout ça. Mais avec le temps, après, c'était que des bons moments à passer avec eux. Justement, que je savais que quand il y a Ali qui allait rentrer, ben on allait rigoler. Quand il y a Ali à la maison, ben on allait discuter, on allait rigoler, toujours. Donc, il y a aussi Sivbou de Clermont-Ferrand, son frère, il a une trisomie. Donc, et il s'amuse tout le temps avec lui, il rigole tout le temps avec lui. Tout ça, il snap avec lui carrément, il snap avec son frère qui est handicapé. Et d'ailleurs, Sibou, il aime bien les gens handicapés, comme l'autre en fauteuil roulant, Jaja aussi, il est en fauteuil roulant, Yann aussi, il a un handicap. Comment il s'appelle l'autre qui est en fauteuil? Fabio, non, Fabien, ou je sais plus comment il s'appelle, Fabrice. Donc, même pour moi, j'ai pas connu de cas de trisomie 21 dans mes familles, tout ça. Mais c'est quelque chose qui me faisait peur d'avoir un enfant. Et ben finalement, vous pouvez demander à Sivbou, ben il s'éclate avec son frère. Il rigole, il ramène au foot, il lui a fait marquer un penalty, il danse avec son frère. Comme j'aurais pu rigoler avec Ali ou l'autre cousin de mes cousins. Comme quoi, c'est pas que dramatique. Quand c'est un enfant unique handicapé, oui, parce qu'on a envie d'avoir des enfants en bonne santé, qui fassent leur vie, qui fassent leur famille. Quand tu deviens vieux, bah, t'as plein de petits-enfants, tout ça. Mais c'est pas dramatique, voilà, c'est pas si dramatique que ça. Après, chacun fait ses choix, comme on dit, il y en a qui font les vérifications comment ça s'appelle? Quand il est dans le ventre de la mère, il y en a, chacun fait le choix qu'il veut. C'est sûrement qu'ils n'ont pas fait les vérifications et aussi il y en a qui préfèrent les garder. Et parfois un enfant handicapé, c'est aussi du bonheur. Il y a une contrepartie, mais bon, la charge de travail supplémentaire, en général, elle succombe plutôt à la femme au foyer, à la mère. Elle succombe rarement. Mais quand j'étais petit, pour moi, c'était dramatique. Et quand je vois le cas de Sivbou et son frère, ben, ils s'éclatent ensemble, ils rigolent, ils se tiennent compagnie, ils discutent. Même s'il a du mal des fois à parler, c'est un exemple parmi d'autres. Comme quoi, faut relativiser aussi. Parfois, il y a des handicaps mentaux qui se voient beaucoup plus tard et qui sont beaucoup plus graves et qui font beaucoup plus de mal à la famille, malheureusement, avec des allers-retours. C'est d'autres formes d'handicap, on va dire. Donc, ouais, je pense qu'il faut changer le regard sur les handicaps ou comme la petite Rania. Dire que sur un live, j'avais posé un commentaire, une blague, elle l'a lu, elle a rigolé. Pourtant, elle était lourdement handicapée avec sa maladie, Rania, Allah irahma.
Mais elle rigolait beaucoup, elle respirait la joie de vivre. Des fois, c'est les meilleurs, les enfants handicapés. Et Nalchitan, là, ces filles que j'ai entendu dire une fois dans la rue, ouais, quand tu vois un handicapé, tu lui fais khamsa fel aini, que tu dis aradou bilayna shaitani rajim, tu le regardes pas dans les yeux. Nalchitan, ces filles-là. J'ai pas envie d'être vulgaire ni grossier, voilà. Mais des enfants handicapés, c'est souvent les plus adorables en plus. C'est souvent les plus attachants et les plus adorables, mine de rien. Mine de rien, même si, bon, dans le cas d'Ali, il a fait des études, même s'ils ne sont pas tous ministres dans le cas de handicap mental, mais même dans ce cas-là, ils sont très attachants, tu rigoles beaucoup avec eux, et ça se voit qu'ils ont besoin de vivre, voilà, avec leur propre capacité, ils ont besoin de vivre, de regarder la télé, la musique, de se balader, d'avoir des amis. Chacun a le droit de vivre, comme on dit. Et parfois, ça, il y a des cas où ça peut détruire des couples. Parfois, ça renforce le couple carrément. Ça renforce la famille, la cohésion familiale. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.